Pierre, qui n'est malheureusement pas là pour ce match aujourd'hui. Tu peux nous dire un peu plus de tes nouvelles? Oui, bah écoutez, ça va bien. Ça va un peu mieux, surtout quand on gagne comme ce soir. Donc, pour donner un peu de nouvelles, c'est vrai que voilà, je me suis blessé au genou. On va faire un point la semaine qui arrive là, avec le doc. On va faire aussi une IRM pour en savoir un peu plus, avec des images un peu plus nettes, parce qu'il y avait beaucoup de sang dans le genou, donc on ne voyait pas très très bien. Donc à partir de là, j'aurai plus de nouvelles, à savoir ce qu'on va faire et aussi la vraie durée d'indisponibilité. T'as des entraînements spécifiques alors avec les kinés? Ouais, là malheureusement on ne peut pas faire grand chose. On doit attendre avant de voir l'IRM pour savoir ce qu'on peut vraiment faire. Donc là, je dois prendre mon mal en patience, attendre et puis on verra bien. C'est difficile pour toi de ne pas être titulaire sur le terrain? Ouais, c'est sûr que c'est des périodes difficiles quand on est blessé. Ben forcément, on n'est pas sur le terrain, on est à côté. Donc des tribunes, on peut malheureusement pas aider les copains. Après, ben ça va, ça tourne bien, on gagne, donc c'est le plus important. C'est l'équipe, le collectif, c'est le club le plus important. Donc oui, c'est difficile d'être éloigné. Après voilà, j'essaie d'être là au maximum pour les aider, les encourager, parce qu'avant tout, on est une équipe, on a un collectif, et c'est grâce à ça qu'on arrivera à faire des belles choses. Tu penses revenir dans combien de temps, plus ou moins? Ben, on avait discuté un peu avec les médecins, les kinés, et on avait estimé une durée entre 8 et 12 semaines minimum. Ça fait 2, donc là ça part beaucoup. Donc espérons que les images qu'on fera prochainement seront positives et feront en sorte que je puisse revenir un peu plus tôt. Mais voilà, on va bien travailler avec le staff médical pour revenir plus vite, parce que ça fait seulement 2 semaines, mais ça manque déjà. Et le goût de la victoire comme ce soir, ça manque. Et donc on va essayer de revenir le plus vite possible. J'espère que les nouvelles seront bien pour toi et positives et que tu reviendras assez rapidement dans le groupe. Merci Léa pour l'interview. Merci à vous et merci aux supporters pour vos nombreux messages. Ça m'a touché, ça me fait plaisir et ça me donne du baume au cœur pour revenir plus vite. Merci à toi. Merci.